hier, je veux dire nous dans notre enfance, l'enseignant était un modèle. Un modèle, une autorité, et il était le représentant de l'État au niveau opérationnel. Ce caractère de l'enseignant, il doit toujours le porter. Il doit le porter parce qu'il est la première représentation de l'élève. Il trouve toujours en son enseignant un modèle. Aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de le reconduire pour montrer aux parents que le premier homme tributaire pratiquement de la réussite de l'enfant, c'est l'enseignant. Mais la deuxième personne, c'est le parent. Le parent doit aider non seulement l'enfant à avancer, mais également aider l'enseignant à mieux encadrer son enfant. Les paradigmes ont beaucoup changé. Donc aujourd'hui, l'enfant est au centre de l'enseignement, de l'éducation. L'enseignant doit comprendre cela, le parent également doit comprendre. Parce que l'enfant n'est pas idiot, il n'est pas nul, il est très bien, il ne cherche qu'une représentation et un accompagnement. Donc si on les suit bien, il y aura beaucoup de professeurs Diatta dans cette localité, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de hautes personnalités, peut-être même un président. Waouh, légui enseignement bi da changé. Lu mu nekkon demb nekotul. Demb enseignant bi mo nek une grande autorité. Moy nek modèle. Moy nek pratiquement représentation élève mi ci bomb lañ koy gissé. Donc moy nek représentant état au niveau opérationnel. Donc tay enseignant bi mo wara dimbali para yi. Comme ça, nous pouvons top suivre les enfants. Donc, c'est ce que nous voulons inculquer ici. Maintenant, nous sommes dans le système d'enseignement. Les enfants sont au centre. Les enseignants sont top, les parents sont top. Nous tous, si nous avons leur esprit, si nous avons tout leur esprit, si nous voulons aider les enfants, il n'y a pas de bon enfant ou de bon enfant qui est nul. Non, les enfants sont tous réussis. Je l'ai vu ici, les enfants. Il y a des enfants qui sont bons, qui savent que si on les encadre, ils vont réussir. Donc, ce modèle que j'aime, les enfants sont top. Les enseignants qui les aident, les parents qui les aident, ils ont laissé ça, 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 ça. Ils ont laissé ça, ils ont laissé ça, ils ont laissé ça, et ainsi de suite. Ils ont aidé les enseignants comme ça, ils peuvent aider les enfants. Si on a des enfants, ils peuvent les régler dans leur vie. Donc, ils sont top, les enfants, ils ont aidé. Parce que les enfants, nous sommes tous là. Si nous ne sommes pas là, peut-être nous ne sommes pas là. Mais Dieu le sait. Mais si nous sommes là, nous sommes là.